Alors, Corocordine. Corocordine, troisième. Attention, lui peut priver Benoît Karanob d'une médaille de bronze. Hein. Mais on ne le souhaite pas. Ah, on ne le souhaite pas, non, mais je ne le souhaite pas, évidemment. Allez, là, ça va rentrer vite. Kovacs. Pardon. Vas-y, Isa. Faites plouf plouf. La Russie, non, la Russie est à toi. Non, 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 les garçons sont à toi. Michel. En tout cas, c'est bien parti. Hein. Engagé, disloqué. Tchotch. Ah, voilà. Ouais, ça, c'est une faute qui va aider. Oui, c'est bien ça. Benoît Karanob. C'est une faute qui nous sied à merveille. C'est horrible hein, de dire ça. Nouveau demi de Choukarine, changement de face à l'équilibre après l'engagé dislocation, changement de face en direct. Allez, encore un petit engagé, dislocation. Travail proche de la barre endo, tour complet autour du bras. On passe en cubital, on change de face et attention, maintenant on se prépare pour la sortie. Ça accélère, ça fouette et une petite sortie, double arrière tendu avec une vrille, plus sympa. C'est pas super et ça, ça c'est prenable. Ça arrange aussi, nos affaires. Notre Benoît pile tout ses acrobaties au sol. Ça arrange nos affaires, mais la tension pour lui est incroyable. Hein. Jamais il a été à ce niveau de compétition, concours général. Donc là, je vous assure, je sais, je le vois pas. Il est où? On va probablement revoir la faute au ralenti. Il est en train de s'échauffer, faire quelques étirements. Il est assis sur sa chaise. Le Kovacs salto arrière groupé par-dessus la barre, ça c'est bien. Alors la note de Deviatowski va être très importante. Hein. Voilà ici le Choukarine, dislocation, tour complet autour du bras, c'est là qu'il a fait la petite faute. Ça ne devrait pas aller super haut pour Corocordine. Non. Pourtant, il a l'air satisfait. Bah, il a fini sa compétition déjà. Bon, puis il a limité les dégâts quand même. Il n'est pas tombé, hein, mais ça ne suffira peut-être pas pour lui. Isabelle trépigne sur sa chaise. Vous verrez en plus, j'ai vu la note de Thomas Weil hein, qui vient de passer aux anneaux. 13,650. Voilà. Un petit peu moins bien que ce qu'il avait fait aux qualifications, mais c'est pas ses agrès Thomas, il a fait une bonne compétition à part ce saut de cheval. Donc c'est joué pour Corocordine. Tout reste à faire pour Benoît Karanob. C'est difficile, ce dernier agrès est très difficile, c'est puisqu'en fait, ouais, c'est la fin de la compétition de la journée. On peut avoir tendance à lâcher avant aussi, en se disant c'est plus que le dernier. Physiquement, etc. C'est très voilà. Difficile, les organismes sont émoussés. On va surveiller Tomita, hein, qui, parce que la barre fixe, si jamais il n'est pas bien réveillé encore, il risque de nous faire quelques acrobaties. Corocordine qui attend sa note. Tomita qui se prépare. En tout cas, il faudrait pas que... Tomita qui a pas mal chuté aujourd'hui. Hein. Il faudrait pas que la note de Corocordine dépasse les 15-10, 15-20. Oui. Quelle tension. Je pense qu'il sera en dessous, hein, normalement, mais on ne sait jamais. Il a l'air serein. Hein. Corocordine qui pourrait apporter la première médaille à la Russie pour la gym. Parce que pour l'instant, la Russie est un peu bredouille. Ouais. Bredouille. Les filles ont vraiment raté leur concours par équipe hier. La note est un petit peu longue à venir. Le juge est au téléphone. Hein. Oui, c'est bizarre, mais en même temps. Même les juges ont la pression là. Ouais. Et est-ce qu'on compte la difficulté? Est-ce qu'on la compte pas? On la prend, on la prend pas? Ce qui pourrait être aussi un signe relativement intéressant pour nous avec une note
finalement assez basse. Donc je vous rappelle la façon de noter. Ouais, je vous rappelle la façon de noter deux notes. Une note de difficulté technique. Plus on fait de difficulté, plus cette note est haute. Et une note d'exécution. C'est-à-dire que dès que l'on fait une petite faute, notre exécution sur 10 est diminuée de points. Voilà, c'est l'addition des deux notes qui donne la note à chaque appareil. Ah, et du coup de fil. Voilà, et du coup de fil et de ce temps d'attente. Il m'appelle. Corocordine commence à être un petit peu énervé là. Ouais, un peu inquiet, parce que quand ça discute, c'est rarement bon signe quand même. Ça prend du temps là. Hein. Concentré. Hein. Ah là là. C'est long. Hein. Parce que. Pendant ce temps-là, Tomita attend de passer à la barre fixe. Pour lui aussi, le temps est long. 15,05. 15,05, ça va sérieusement nous arranger ça. Bien payé.